emaki refli kalala fli akone fai kambe kalfa jumangu akone masirabara dema afali sanula ngiga kalpanye dungu mungu bisenga sirabara mawa akone usani wa apa one une uni jeru ni fino ni garangu ni mabo ni jomba juni yesiru la kuni lubashite akone ntoma kumi kama Alpha Maki Kari Jelu Nyamagala Bela Jelega Teme Haufa Nao Bora Romu Be Maki Devo Kute Haufa Apumye Ni Fone Sire Lelu Ne Shano Mindao Makaka Kalifa Beita Dafane Mne Mangashu Alpha Maki Tama Ya Bula Yani Oh Awe Reka Ala Jisake Harama Dimbe Nyumange Tugu Goloka Animinti Nyumange Eski Sarawwe Kile Hale Ala Yere Goloka Kute Kile la winning juris info alpha maki Halim Sbaï, cofondateur et directeur du festival Taragal. Là, on est à 7 km au sud de Mhamid, au milieu du désert. Mhamid, c'est la dernière oasis de la vallée du Dra. La vallée du Dra, ça s'étend de Agdez jusqu'ici sur 200 km. Et on est à la dernière oasis avant le désert, c'est la porte du désert. Cette oasis, il a joué un rôle très important vu sa géographie, son emplacement, et aussi vu qu'il est la porte du désert. À l'époque des caravanes, des grandes caravanes qui sillonnent le Sahara, les caravaniers qui passent plus de 2 mois en plein désert, en plein canard, quand ils arrivent à un écosystème oasien où il y a de l'eau, où il y a l'ombre, où il y a la nourriture, donc ils ont tendance, après une longue fatigue, de se reposer et d'échanger, discuter, se reposer, et parfois même se reproduire. Parce que, comme vous savez, ça c'est une histoire très importante dans les caravanes, parce que les caravanes, elles ne font pas que de l'économique, il y a aussi le social. Et quand une caravane arrive ici dans une oasis luxuriante, dès que le ventre est plein, elle dit à la tête de chanter. Et après, elle dit à autre chose, on commence à penser à toutes les choses. Et comme c'est des communautés des derniers siècles, c'était des musulmans, donc parfois, les gens ils font des mariages. Parce que, et au lieu de tomber dans l'interdit, donc il faut vraiment faire selon la loi islamique, donc demander la main d'une femme, et après la caravane doit continuer. Donc on se marie, il faut continuer le chemin. On peut rester par exemple 1 semaine, 2 semaines, mais après on va continuer soit vers Fès, soit vers Marrakech. Mais après il faut revenir voir s'il n'y a pas des graines qui sont restées. Donc parce que souvent il y a des graines qui restent, et ça veut dire déjà c'est un brassage, une rencontre, et après c'est deux communautés qui se marient, c'est pas un homme et une femme. C'est ça qui explique aussi qu'il y a beaucoup de différences ethniques ici qui sont originelles, soit du Sahel, du Sahara, qui sont là, et vice-versa. Et on voulait vraiment valoriser le patrimoine culturel et naturel de cette oasis. Les années 80 jusqu'à maintenant, la région a connu beaucoup d'années de sécheresse avec le changement climatique et tout ça. L'activité principale avant, c'était l'agriculture et l'élevage. Quand il y a manque d'eau, ça veut dire que ces deux activités se sont dégradées. On a assisté à une grande immigration de la population jeune active vers les grandes villes. Et là, pour vous dire juste un chiffre, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, la population a diminué de la moitié. Ensuite, cette région s'est ouverte au tourisme. Quand il se développe dans une région, il y a aussi des effets négatifs sur la culture, sur les équilibres fragiles existants et sur l'environnement. Comme la majorité des jeunes ont travaillé dans le tourisme parce que c'est une opportunité pour nous quand même pour gagner notre pain et de rester ici. Donc pour rester ici et être les garants de ces milieux fragiles, il faut avoir un peu des moyens. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu une éruption des déchets plastiques, des canettes partout dans le désert, que le désert n'est pas respecté par les quads, les 4x4.
et tout passe partout. Et on a pensé à faire des campagnes de nettoyage avec notre association. 2006, c'était l'année internationale contre la désertification. Et là, on a fait une grande campagne qui était médiatisée par le Temps de Genève. Il y avait un journaliste suisse qui a médiatisé. Et cet article tombait dans les mains de Paléo Festival. Mais dans chaque édition, il y a le village du monde. En 2007, c'était le Maghreb et le Sahara. Donc on était invités pour représenter le Maroc. Et là, on a rencontré nos amis maliens, Niger, Libye, Algérie, et les artistes comme l'itinéraire Wayne Thomas, Tertit. On a discuté, on a amené une tente noire comme celle-là. Et on a dit pourquoi pas créer un événement qui peut nous réunir au-delà des frontières, au-delà de la politique, là où la politique s'arrête. Le festival doit montrer le rôle du Maroc dans sa profondeur africaine, dans l'histoire, dans la continuité. Et on a commencé par ça, en invitant l'itinéraire Wayne en 2009 et d'autres groupes de l'Algérie, de la Mauritanie, tout ça. Et donc on commence cette aventure qui est là à sa 8e édition.